Bonjour à tous et bienvenue dans Entre Terre et Mer et merci de nous suivre. Pour ce nouveau numéro, c'est une fois de plus de belles rencontres, mais pas n'importe lesquelles. Nous allons découvrir Elisabeth et Ingrid, toutes deux passionnées de l'océan et tout ce qui le peuple. L'une est chasseuse à la recherche de sensations fortes et l'autre est amatrice de vidéos sous-marines. Elles ont en commun l'apnée, une discipline sportive qui leur procure bien-être et sérénité. C'est un univers merveilleux, c'est un univers qui est extraordinairement beau, riche. Il faut essayer de dépasser ta peur de, voilà, bah justement du bleu, et puis c'est ce qui rend aussi le blue water un peu magique, parce que t'as l'immensité de l'océan sous toi, quoi. Nous sommes immiscés dans leur monde pour comprendre, découvrir et partager leur passion, dans lequel on a souvent vu des hommes. Ça restait un milieu quand même très masculin, de chasseurs sous-marins, alors que moi j'étais pas du tout chasseuse. Et puis petit à petit ça s'est démocratisé. Il y a de plus en plus de femmes qui sont venues donc pratiquer l'apnée et qui se sont illustrées au niveau sportif. Les temps changent et c'est tout de suite dans Entre Terre et Mer. C'est avec Elisabeth Opla que nous commençons notre aventure. Calédonienne, journaliste de métier, depuis toute petite, la mer est son terrain de jeu. Au fil du temps, elle n'a de cesse de s'intéresser au monde sous-marin. Fervente défenseur de l'environnement, elle s'intéresse de plus en plus aux rencontres, comme elle aime le dire. Imaginez par là requins, dauphins, tortues et tout aussi bien des plus petits animaux marins. Rencontre avec Elisabeth. Je décrirais le lagon calédonien comme, c'est un univers merveilleux, c'est un univers qui est extraordinairement beau, riche. Il y a une variété de vie qui est absolument incroyable, de l'infiniment petit au très gros, puisqu'on a aussi la chance de pouvoir croiser de gros requins, voire des requins-baleines, selon les saisons. C'est un jardin d'Éden dont on ne se lasse pas. Voilà, ça fait très très longtemps que je viens plonger dans ce lagon et je m'en lasse jamais. Alors, en dehors des éléments techniques, hein, bien sûr, la stabilité, la netteté, la lumière, etc., pour moi, une bonne image, c'est une image qui révèle une ambiance. Donc, une ambiance ou un comportement animalier. Et donc, une ambiance dans laquelle on peut plonger. Voilà, moi, c'est ça. C'est ce qui me touche quand je vais regarder une vidéo sous-marine. Et donc, c'est ce que j'ai envie aussi de saisir. C'est une ambiance. J'ai commencé la vidéo sous-marine et la vidéo en général il y a 2 ans. Et j'y suis venue parce que, plus que la photo, parce que j'avais envie de quelque chose qui soit en mouvement. Et pour moi, la vidéo, c'est plus créatif. C'est que je me mets sur un banc de montage, j'ai plein de rush, je me dis tiens, qu'est-ce que je vais raconter comme histoire? Et je peux faire ce que je veux. Je prends un bout de plan, je le coupe, je le déplace, je le mets avant, je le mets après. J'y associe une musique et je crée un univers. Je raconte une histoire. Et donc finalement, ça me permet de beaucoup plus créer que la photo. Ben, ça me correspond davantage. Donc, je n'en fais pas que pour la contemplation. Je la fais pour la partager. Quand j'ai envie de raconter une histoire, comme j'ai pu faire sur les tortues, les requins d'une part, ou d'autres rencontres, pour moi, le but, c'est vraiment de partager pour sensibiliser les gens donc, à ce patrimoine marin qu'on a en Calédonie, qui est extraordinaire.
là, Elisabeth, qu'est-ce qui se passe pour la journée là? Comment ça se... On va aller rejoindre le bateau à Port-Moselle. On part de bonne heure aujourd'hui parce que le vent va se lever rapidement. On a 10 à 15 nœuds ce matin, 20-25 nœuds cet après-midi, donc on va vraiment essayer de plonger au maximum ce matin. Voilà, donc c'est parti, on y va. Bon, on a de la chance, il fait beau, donc on aura une belle lumière. Il y a un peu de vent par contre. Ouais, le vent va se lever surtout cet après-midi. Ce matin, ils ont prévu 10-15 nœuds. Et 20-25 nœuds cet après-midi. Mais bon, quand on aime la mer... C'est ça. Hein. On va sur le récif Aboré, au niveau de l'épave Lever Prosperity. Et donc, on en a à peu près pour 45 minutes pour se rendre sur place. Bon, il y a un petit peu de vent qui se lève, mais pour le moment, on a à peine 7-8 nœuds. Voilà. Belle journée en perspective. Oui, très belle journée. Et là, on devrait quand même avoir de très belles vues sous-marines. Et on a une grosse densité au niveau de la faune dans ces endroits-là. C'est une réserve qui fait 25 km de long et puis ça fait une quinzaine d'années qu'elle existe. On part plonger comme ça, qu'on part faire de l'apnée dans le lagon. Bon, on essaye de trouver un endroit déjà assez abrité en fonction de la météo. Et puis, je crois qu'il ne faut pas avoir d'attente. On y va en se disant, on verra ce qu'on verra. Et là, on a souvent de belles surprises. Donc, on passe la journée, souvent on fait deux sites de plongée. Et puis voilà, on met la tête sous l'eau et puis on va voir, on va attendre, on va chercher. Et voilà. Allons. Alors, je décrirais le lagon calédonien comme, c'est un univers merveilleux, c'est un univers qui est extraordinairement beau, riche. Il y a une variété de vie qui est absolument incroyable, de l'infiniment petit au très gros. C'est un jardin d'Éden dont on ne se lasse pas. Voilà, ça fait très très longtemps que je viens plonger dans ce lagon et... je m'en lasse jamais. Mon rapport avec le monde marin, je pense qu'il vient de mes origines et de mon enfance. Moi, je suis calédonienne, j'ai grandi au bord de l'eau, j'ai grandi plage de Magenta. Je crois que j'ai su marcher et nager presque en même temps. Mon père m'a mis à l'eau très très vite. Et donc voilà, ça a toujours été naturel. On partait très souvent en mer. Et donc j'ai toujours été émerveillée par cet environnement. Mais je l'ai été davantage quand j'en ai été privée pendant mes années métropolitaines pour mes études. Ça m'a tellement manqué que quand je suis revenue, je me suis mis directement à la plongée bouteille d'abord, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de club d'apnée en Calédonie. Mais j'avais déjà vu, en 88, j'avais vu le Grand Bleu. Voilà. Et ça, le Grand Bleu, ça m'a, je crois, comme toute une génération d'apnéistes,
C'est un film qui m'a bouleversée. Alors, pas du tout pour la performance sportive, mais parce que il y avait chez Jacques Mayol cette démarche philosophique en lien avec le yoga notamment, que je pratiquais déjà. Et pour moi, l'apnée, c'était une continuité du yoga. C'était un moyen d'entrer en introspection et d'aller vers la connaissance de soi. Et c'était ça que je cherchais. Et j'ai retrouvé, je retrouvais dans l'apnée la zénitude que je trouvais dans le yoga, mais sous l'eau, dans un univers en apesanteur, au ralenti. Il y a une belle visibilité aujourd'hui, malgré le courant et la mer agitée. Oui, il y a une belle visibilité. C'est pas mal du tout de se trouver en habitant. Oui, bien sûr, c'est normal. Il y avait une grosse loge là quand je suis arrivée là-bas, comme ça. De l'apnée qui n'est pas une approche sportive, qui est plus une approche intuitive. Voilà, moi je vais sous l'eau, je descends, je ne sens pas très profond, c'est pas l'objectif pour moi, mais c'est vraiment l'intuitif. Voilà. C'est le ressenti que je peux avoir sous l'eau qui m'intéresse et bien sûr le partage. Tout autre personnage. Continuons cette fois-ci avec Ingrid. Originaire de Moindou, la mer, elle connaît. On pourrait dire qu'elle est tombée dedans très tôt. Son grand-père l'emmenait déjà très jeune pêcher à la ligne ou pêcher des crames. Puis très vite, c'est son papa, chasseur sous-marin, qui l'emmena découvrir les fonds du lagon calédonien. C'est vers l'âge de 15 ans qu'elle flèche son premier poisson. Aujourd'hui, l'appel de l'océan est plus fort que tout. Et elle s'est spécialisée dans le blue water, autrement dit la pêche en eau profonde. Une discipline assez hors du commun. Je vous laisse découvrir. Vous, vous. Bonjour, bonjour. Bonjour Antoine. Enchanté. C'est Ingrid ? Ouais, enchanté. Enchanté. Bienvenue. Gérard. Christopher. Tu n'es pas en retard, ça va ? Non. La météo est bonne ? On va avoir une bonne journée ? Beau temps aujourd'hui. Ouais ? Ok. C'est parti alors ? On te laisse embarquer. L'aventure ? Vas-y. Ok. Tu veux que je te donne la main ? Ouais. Ok, good. Je grimpe. Bon, on part pour la journée ? Journée, une journée blue water. Ok. Et ben on va voir, essayer de faire du poisson. Bon, on est là pour ça. Merci de m'accueillir en tout cas. Bah, ça va être une belle journée. C'est un sacré bateau là. Potimara, le bateau ici. Là, on s'arrête là. On est au niveau de la passe.
Voilà, on va s'arrêter, on va se mettre dans un coin un peu tranquille, assez calme, pour se préparer. D'accord. Comme ça, quand on arrive sur la zone du DCP, on est prêt à sauter à l'eau. S'il y a du poisson, et ben. Anticiper quoi, au moins on saute direct à l'eau. Voilà, on est prêt. Ok. On peut chasser. Capitaine, on est bon ? Good. Ok. Parti. Allez. Moi, j'ai grandi à Moineau, donc famille de Ponsard, et puis depuis l'enfant, voilà, on a grandi dans la pêche, les parents pêchaient, les grands-parents pêchaient. Ouais. Donc, c'est naturellement que c'est venu. C'est naturellement que c'est venu, voilà, et puis j'ai eu la chance de rencontrer Christopher et ensemble on partage ça. Je te cache pas que c'est quand même une discipline assez particulière, on voit pas le fond, c'est immense, c'est assez stressant, ça va aller? Après, voilà, faut essayer de dépasser ta peur de. Voilà, bah justement du bleu, et puis c'est ce qui rend aussi le blue water un peu magique parce que t'as l'immensité de l'océan sous toi, quoi. Il y a un peu d'adrénaline. Voilà, t'as toujours les requins qui sont là pour te remettre à ta place, t'es pas dans ton élément. Et bon, une fois que t'as dépassé ça, c'est que du bonheur. Ça va. Ingrid, ceinture rose, masque rose, palme rose. Ouais. C'est quoi, c'est pour attirer les. C'est pour montrer qu'on est quand même des femmes. C'est élégant, c'est classe. Et Potimara, rose et jaune. Voilà. Là, on est sur le point d'y aller. Il y a des précautions particulières à prendre. Comment ça se passe? Ben là, il y a un petit peu de requin qui tourne par rapport à la chasse de bonite. Donc, quand on va sauter à l'eau, les requins vont monter, ils vont venir voir ce que c'est. Faut pas paniquer, faut. On va dire jauger leur comportement un peu comme un chien quoi. Ouais. Et ils vont venir voir. Une fois qu'ils auront vu, ils vont commencer à se disperser. Ils vont s'habituer à toi. Ouais. Voilà. Donc c'est au départ qu'ils vont venir assez près. Ça reste du requin soyeux, c'est pas les plus. Voilà, là c'est du requin que généralement ils restent un petit peu là ensuite par rapport aux chasses. Et puis après bon ils migrent du poisson. Ingrid, c'est vrai que c'est une discipline où on a l'habitude de voir quand même pas mal de garçons. Ouais. Pratiquer ça. Toi, ça fait un moment maintenant que tu y es? Oui, Blue Water, non, c'est pas si vieux que ça. Après, la plongée sous-marine, moi, c'est depuis 5 ans. Ouais, tu pratiques la chasse depuis un petit moment. Comment ça se passe? Cette adrénaline, enfin, moi, il y a les requins, le grand bleu, c'est quand même. Après, Blue Water, voilà, t'as pas besoin de faire de grandes coulées, de grandes plongées. Donc, t'es toujours quand même à la surface. Tu respires quand tu vas tranquille.
joli ça. Moi je suis pas allé à l'eau avec vous, mais justement ça a marché. Ouais, merci. On a un beau My Mile. Ouais, c'est cool. Et alors ils étaient plusieurs, comment ça s'est passé? Alors ouais, t'avais un petit bond avec ouais, à peu près 5-6 My Mile qui ont tourné, c'était assez sauvage. Vous voulez pas trop s'approcher. Ouais. Et je me suis écartée à un moment du groupe et celle-ci elle est venue, elle est venue me regarder. Du coup, j'ai fait une petite coulée et puis je l'ai piqué. Joli, pas bredouille, ouais. Bien joué en tout cas. Ouais, voilà, toutes bonnes choses ont une fin. J'espère que ce numéro d'Entre Terre et Mer vous a plu. Merci de votre fidélité et n'hésitez pas à rêver, à vivre vos passions pleinement. Nous, on se dit à bientôt pour un prochain numéro d'Entre Terre et Mer. Ciao! Tchau.